bienvenue. Alors aujourd'hui, nous changeons de décor, ça va en plaire à certains, car oui, c'est la place d'une femme que d'être dans une cuisine à mijoter des bons plats. C'est donc ce que j'ai fait, et par altruisme, je vais aussi vous apprendre quelques recettes essentielles, à savoir les pancakes, comment faire des pancakes, comment faire aussi du pain, et comment cuisiner aussi des sushis. Alors, au-delà de la plaisanterie, on va simplement voir ce qu'il s'agit des food tokens, parce que oui, on a parlé la dernière fois du yield farming, donc les aliments que les agriculteurs ont gentiment cultivés. Il faut savoir que souvent, on les met en cuisine pour préparer d'autres plats à très fort rendement, très sucrés, très épicés. Alors, si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est qu'il y a en fait une petite histoire derrière tout ça. Il y a eu des événements marquants dans les food tokens. Il faut savoir qu'il y a de très bons produits, il y a de bons protocoles, et puis il y en a d'autres, c'est vraiment bullshit. Donc, je ne vous retiens pas plus longtemps pour faire de petites introductions. On va pouvoir attaquer le tout début de l'histoire et voir comment tout ça a commencé. On va analyser un peu la table qui nous est servie et se demander s'il ne s'agit pas là, pour la plupart, de la grande malbouffe. Vous avez certainement remarqué que beaucoup de tokens de la DeFi ont des noms plutôt cocasses et la plupart d'entre eux portent des noms de nourriture. C'est ce qu'on appelle des food tokens. Est-ce que c'est un hasard pur? Est-ce que ça signifie que ce sont des tokens peu sérieuses et des projets peu recommandables et que globalement le monde des crypto-monnaies s'égare brutalement? Eh bien, ne jugez pas trop vite. On pourrait expliquer cet engouement pour ces noms de steak et de frites par le fait que c'est la jeunesse des crypto-détenteurs qui le permet et l'autorise. Comme on a pu le voir dans une précédente vidéo, c'est lié aussi à l'avènement du yield farming, donc de ces agriculteurs qui cultivent certaines tokens, et il est vrai qu'aujourd'hui on en voit de plus en plus les conséquences et les retombées. On va voir ici les tokens les plus connus qui portent les noms de plats salés, parce que la table est mise, certes il est temps de se régaler, mais il y a aussi des précautions à prendre avant de manger. Ça, c'est la première chose que je peux vous dire. Ne soyez pas trop gourmand en quelque sorte, car on a déjà vu des tokens food, comme par exemple Hot Dog Token, qui a certes grimpé en un jour, mais qui a tout perdu, 99% de sa valeur, en quelques minutes seulement. Et oui, parce que les tokens food nous ont habitués avec des taux de rendement incroyables, mais aussi avec des pertes monumentales. C'est typiquement avec ce genre d'accident que l'on a commencé à se poser des questions sur le rôle en fait des tokens food et de commencer à faire un peu le tri de ce qu'il y avait à manger tout simplement. Il faut faire preuve de vigilance, comme cela est recommandé pour toutes les crypto-monnaies et tous les nouveaux projets, aussi appétissants soient-ils. Aussi, il semble que les cuisiniers n'ont pas fini de nous étonner et ils nous préparent des repas toujours plus surprenants. Et donc ce qu'on va voir ici, c'est un petit aperçu des arrières-cuisines des food tokens. Normalement, ça va vous permettre d'être plus alerte sur certains projets et de pouvoir décider quand il faut investir et de savoir si le projet en vaut vraiment la peine. Voilà, vous êtes prêts? Vous avez l'eau à la bouche? Alors on peut y aller. L'histoire des chefs, des escroqueries en cuisine et des batailles de fourchettes. Vous savez, on écrit chaque jour l'histoire de la DeFi et c'est certainement ce qui la rend intéressante et croustillante en ce moment. Et vous allez voir que dans les arrières-cuisines, il se passe des choses et parfois on n'est pas loin de cauchemars en cuisine. Putain, on est où là ? Alors, numéro 1, comment tout ça a commencé? Ça a commencé avec SushiSwap, bien sûr le sushi de la Discord. C'est l'un des tokens les plus emblématiques et même les plus connus. Et ce n'est pas pour rien, parce que son histoire est remplie de rebondissements. Alors le fondateur, qui est anonyme, mais qu'on connaît sous le nom de Chef Nomi, vous allez le voir, il est plutôt irrévérencieux, mais ça reste quand même un petit génie dans son domaine, même s'il a fait des choses vraiment pas très catholiques. C'est surtout le chef Nomi qui a été le porte-parole du projet, et celui-ci nous a présenté le protocole comme une version améliorée et supérieure d'Uniswap. Il faut savoir qu'on est à quelques mois après le lancement d'Uniswap, qui d'ailleurs a été le tout premier protocole qui a fait sensation et qui nous a permis de swapper et d'échanger des crypto-monnaies. Quand chef Nomi est venu nous dire qu'il avait créé SushiSwap, tout le monde l'a accueilli à bras ouverts, parce qu'il disait en gros que les bénéfices seraient répartis plus équitablement entre les membres de la communauté. Bien évidemment, cela crée un engouement et le token Sushi a connu immédiatement un succès retentissant. D'ailleurs, le succès s'explique par le fait que les frais de transaction étaient moindres et les rendements proposés plus généreux. Et 10% des jetons mintés étaient placés dans un fonds de développement pour améliorer toujours plus le protocole. Bien évidemment, en plus on était encore au début de tous ces protocoles, le jeton Sushi a explosé et a même triplé de prix en moins de 24 heures. Seulement, il y a un hic. Les personnes recevaient des tokens Sushi pour avoir déposé des unis, d'accord? Il y avait donc derrière ce mécanisme un processus de sifflage de fonds, qu'on appelle aujourd'hui une attaque vampire, qui consistait à aspirer les liquidités d'Uniswap pour les transférer vers SushiSwap. Mais rapidement, Uniswap s'en rend compte, vous imaginez bien, et la valeur du sushi chute drastiquement. En plus, on se rend compte que le comportement du chef Nomi est plutôt trouble et on le voit comme un escroc en tablier blanc.
Et oui, parce que le chef Nomi est parti avec les fonds destinés au développement de la plateforme. Et à l'époque, ça représentait quand même, écoutez bien, 13 millions de dollars, soit 38 000 ETH à l'époque. Mais la colère et la pression des investisseurs de la plateforme a fait quand même réfléchir le chef Nomi, qui s'est finalement rétracté, il a retourné les fonds, il s'en est voulu, il a fait une lettre d'excuse publique sur Twitter, etc. Il a rendu les fonds. Et quand bien même il s'était excusé, le mal était fait et il a donné ses clés privées au chef Maki, qui l'a remplacé. C'est celui qui gère le protocole de FTX et qui s'appelle Sam Bankman-Fried, bref, qui a établi la migration de SushiSwap vers sa propre plateforme pour ne plus du tout être lié à Uniswap et éviter tous les sifflements de fonds. Cette histoire a donc été révélatrice des failles des protocoles et surtout de la nécessité d'avoir des fondateurs sérieux. Même si c'est décentralisé, il faut savoir que l'équipe de développement, elle peut avoir un grand impact dans la mesure où c'est elle qui choisit la distribution des tokens. Et là, typiquement avec le chef Nomi, on a vu que si le mec n'est pas stable, s'il n'est pas sérieux, le protocole entier, en fait, pourrait ne pas être sérieux. C'est pourquoi c'est très important de choisir des protocoles où l'équipe de développement a très peu de tokens à la base et où la distribution, en fait, tout simplement, est plus équitable. Depuis, on n'entend plus trop parler du chef Nomi. Il faut savoir que SushiSwap a repris du poil de la bête. Mais vous savez quoi, le plus étonnant dans l'histoire, c'est que c'est finalement Uniswap qui a gagné au change, car en fait, elle a récupéré tous les utilisateurs déçus de SushiSwap, et Dieu sait qu'il y en avait beaucoup. Donc ça a redonné un nouveau départ, en fait, à Uniswap, qui a clairement pas mal gagné avec cette histoire-là. Et donc voilà comment ça a commencé, c'était plutôt calamiteux l'histoire des token food, et il faut savoir bien évidemment qu'après il y a eu d'autres chefs qui ont voulu se lancer dans la cuisine, et c'est un peu à partir de là qu'on a parlé vraiment de yield farming, comme vous allez le constater. Ensuite, le second qui est venu sur la scène, c'est Yam Finance, la culture de la patate douce. Et oui, parce que Yam signifie patate douce ou igname selon les interprétations, mais on peut dire que c'est Yam Finance qui a initié beaucoup d'autres projets par la suite et qui a vraiment lancé la première ferme expérimentale. Et bien justement, le fait d'avoir été novateur, ça lui a aussi coûté cher, parce qu'il y a eu des bugs informatiques qui l'ont pénalisé par la suite. Et comme vous le savez, les protocoles ont plusieurs versions, c'est des mises à jour si vous voulez. Et dans la toute première version de Yam, il y a un bug qui a fait chuter le cours du Yam à 0$, et ça encore une fois en quelques minutes. Et donc ça fait dire à quelques personnes relativement connues dans la cryptosphère que c'était une arnaque, quoi, tout simplement. Alors ça fait bien évidemment mauvaise presse à Yam Finance, comme vous pouvez l'imaginer, mais cela dit, les nouvelles versions, les versions qui ont succédé, sont plutôt correctes et ont permis à Yam Finance de reprendre, et aujourd'hui il a toujours des utilisateurs et ça reste quand même une référence, même si avec la concurrence aujourd'hui, c'est plutôt délaissé. Mais bon, voilà, sa réputation a été mise à mal, pour ainsi dire, et on s'est tout simplement dit que les patates douces n'étaient pas si rentables que ça, qu'il y avait mieux. Et faut savoir qu'en fait, qu'après Yam, là, ça a été un peu la jungle. Il y a plusieurs cuisiniers qui sont venus, qui ont pris le relais, et on peut dire que c'est vraiment à partir de là que c'est parti en cacahuète, sans mauvais jeu de mots, cher ami. Alors la liste est super longue, hein, il y en a eu plein. On peut parler par exemple de Spaghetti avec son token Pasta. Avec le token Pasta, qu'il a encore a connu un yo-yo épatant, qui a atteint un grand pic pour ensuite chuter complètement. Et donc avec ces cuisines sauvages et ces token food qui prenaient de la valeur aussi vite qu'ils en perdaient, on a commencé à dire ça n'en vaut pas le coup, c'est trop difficile, c'est trop dangereux, c'est vraiment des arnaques. Puis on a eu un grand événement quand la token food a débarqué sur Binance Smart Chain. Alors, comme vous avez pu l'entendre, vous avez vu certainement beaucoup de vidéos et beaucoup d'articles, ça a été un grand boom parce que Binance Smart Chain, tout le monde l'attendait dans la mesure où Ethereum devenait vraiment, vraiment trop cher. Et donc, sur Binance Smart Chain, on a vu donc des nouvelles cuisines qui nous sont parues, en tous les cas, plus accessibles. Ça a été le cas, par exemple, de BurgerSwap. Et BurgerSwap a été donc le premier protocole de ce type à être développé sur la chaîne Binance. Il y en a plein d'autres ensuite qui ont suivi. Et ça a été tellement un grand succès, ça a aussi participé en fait à l'engouement pour Binance Smart Chain d'ailleurs, parce qu'elle était plus accessible encore une fois. Et ils ont même lancé une fast food alliance qui regroupe pas mal d'autres protocoles comme FryWorld, 7up Finance. Enfin, vous imaginez bien que ça part dans tous les sens. Le futur nous dira si ça va durer. En tous les cas, c'est simplement parce que c'est très facile à mettre en place d'un point de vue technique qu'il y a autant de protocoles. Mais bon, il faut vraiment se concentrer sur les plus importants. On peut citer un autre protocole qui a pris beaucoup d'ampleur, qui est vraiment pas mal, c'est BakerySwap, donc la grande boulangerie arrive.
Là, ce qui est intéressant avec ce protocole-là, c'est qu'ils font pas mal de choses, c'est-à-dire qu'ils ont développé les services. Il y a un supermarché de NFT, par exemple. Enfin, on peut stacker du l'ETH 2.0. Il y a pas mal d'options. Bakery Swap, ça reste quand même vraiment plus novateur que les autres. C'est pas pour rien qu'il a une place relativement importante sur Binance Smart Chain. Et qui est suivi d'ailleurs par le plus emblématique, certainement le plus connu de tous, qui est PancakeSwap. Parce qu'il est temps de faire des crêpes, mes chers amis. PancakeSwap est allé un peu plus loin dans le yield farming, c'est-à-dire qu'il propose plusieurs services, encore une fois plutôt intéressants avec des rendements intéressants, avec le jeton Cake, qui est certainement un bon investissement dans la mesure où les utilisateurs sont de plus en plus nombreux et donc ça participe à monter la valeur du Cake. Et alors sur PancakeSwap, on peut faire du farming et du stacking pour gagner justement d'autres tokens issus de la token food, mais pas seulement. Donc voilà pour les protocoles les plus emblématiques qui ont l'air certes intéressants mais qu'il faut toujours investir avec un certain recul, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre toutes vos billes dessus parce qu'on ne sait pas encore ce que ça va donner. Donc si vous voulez investir, faites-le gentiment, on va dire, n'investissez qu'une petite partie de ce que vous pouvez vous permettre, parce que n'oubliez pas qu'à côté de ça, il y a eu beaucoup de food tokens qui nous ont montré que c'était l'indigestion totale. Si on investissait dessus, bien sûr, il y a le hot dog swap qu'on peut citer, que j'avais déjà dit en introduction, qui a été vraiment révélateur que tout ça, c'était pas vraiment sérieux forcément. Et puis, il y a eu Pizza Finance, par exemple. Ça, je pense que Pizza Finance avec les Pizzaiolo et Kebab Finance sont ceux qui nous ont montré que vraiment, il fallait prendre des pincettes, en fait, avant d'investir, tout simplement. C'est les projets les plus délirants de la malbouffe. Je pourrais même finir, juste à titre de culture, quoi, si vous voulez, qui a même eu le Salt Swap, donc celui qui fait référence à Salt Bay pour ceux qui connaissent, et là encore Café Swap, enfin pas mal d'autres token food qui nous montrent que c'est une cuisine de l'enfer, qui sont pas vraiment très intéressants, donc faites plutôt attention. Et en guise de conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que là encore, ça nous rappelle le boom des ICO en 2017, et comme vous avez pu le voir, il y en a très peu qui ont pu rester en place et qui avaient un vrai projet derrière. Donc voilà, le but de cette vidéo, c'était surtout de vous mettre en garde pour certains projets, il y en a qui sont très très intéressants. Moi-même, j'investis pas mal, mais je le fais avec une bonne gestion budgétaire, encore une fois. Faites vos propres recherches, regardez sur les sites dédiés et voyez un peu le montant total qui est verrouillé sur les plateformes. Regardez un peu l'équipe, enfin, faites vos propres analyses avant de vous lancer. On ne sait pas justement si ça va participer à une certaine finance dégénérative, comme certains l'appellent. Ça, je vous en ferai une vidéo sur le sujet, parce que c'est hyper intéressant. Et sinon, il y a une manière encore plus simple d'investir, c'est-à-dire que vous pouvez tout simplement acheter les tokens en question, bien sûr, au prorata de ce que vous pouvez vous permettre, sur Binance directement, sans participer ou sans devenir un fournisseur de liquidité, par exemple. Et puis, voilà, faites attention au protocole, ne succombez pas trop vite, parce que bien sûr, ça peut être des investissements ultra rentables, si vous savez où vous allez. Et puis, de l'autre côté, ça peut être des investissements, en fait, complètement foireux. D'ailleurs, beaucoup de critiques disent que c'est la bulle, en fait, de la DeFi qui va bientôt éclater. Faites la part des choses, il y a de très, très bons projets qui sont rentables, qui sont intéressants. Et puis, bien sûr, il y a des projets complètement farfelus et débiles dans lesquels il ne faut pas mettre un euro, bien sûr. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. Passez une bonne journée et faites gaffe à l'indigestion. Salut !